vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est une joie pour moi de me retrouver encore devant vous pour parler de la parole du Seigneur. Si vous permettez, nous allons prier avant de commencer notre méditation. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ce moment que tu permets que nous puissions, Seigneur, méditer ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains et nous laissons, Seigneur, ces instants sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous orienter, viens nous diriger, viens encore nous parler pendant ce temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un puisse recevoir, Seigneur, une parole, Seigneur, venant de toi. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans Galates. Nous allons lire le verset à partir du verset 6. 6 jusqu'au verset 9. Alors, la Bible dit ceci. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonce un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Bien aimé, là, c'était encore une fois l'apôtre Paul qui est en train de parler. Alors, si, lorsque je regarde, bien aimé, la parole de Dieu, là, avant, juste le verset, avant le verset 6, la Bible dit « Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. » Et là maintenant, le apôtre Paul était étonné parce que, en fait, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bon, je pense que pour moi, c'est le seul message que Dieu nous a donné. C'est que Dieu veut que nous puissions garder le message d'amour. Amen. Alors, maintenant, l'apôtre Paul était étonné. Il est en train de parler au peuple de Galatie. Il dit, mais je m'étonne avec quelle rapidité. Comment vous pouvez oublier ce que Dieu a fait pour vous? Ce que Christ a fait pour vous? Dieu a sacrifié son Fils. Il a donné son Fils pour vous. Pour nous arracher du mal, pour nous arracher du péché. Mais comment vous pouvez oublier toutes ces choses-là? Comment vous pouvez oublier ce message d'amour? Comment? Il dit, je m'étonne avec quelle rapidité vous vous tournez vers d'autres. Vous voulez vous tourner vers d'autres messages. Vous voulez changer le message. Il dit, parce que tout cela, parce que les faux prophètes se sont levés, les faux serviteurs se sont levés pour venir vous troubler, nous troubler. Aujourd'hui, ce qui nous étonne, en fait, c'est que nous voyons aujourd'hui même dans l'église du Seigneur, nous voyons, les chrétiens même aiment la bénédiction, veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas obéir à celui qui donne la bénédiction. Voilà pourquoi nous sommes bien aimés rapides, bien aimés à aller vite fait, à faire autre chose, à faire n'importe quoi, observer autre chose que ce que Dieu nous demande de faire. Bien aimés, n'oublions pas. La Bible, bien aimés, les gens d'Apocalypse, il y a juste un seul message, l'amour de Dieu. La Bible dit, tu dois aimer le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un autre message. Si ce peuple-là avait vraiment bien aimé, gardé et compris, bien aimé, et ce qui était la volonté du Père, bien aimé, ils n'allaient pas se retourner vers autre chose. Ils n'allaient pas abandonner, bien aimé, rapidement. Ils n'allaient pas oublier, bien aimé, ce que Dieu a fait pour nous, bien aimé, ce qu'il a fait avec Jésus-Christ pour nous à la croix de Golgotha. Et voilà, bien aimé, c'est ce qui étonne même aujourd'hui. Nous voyons que nous allons vite, bien-aimés, vers autre chose. Nous éloignons vite, bien-aimés, de Dieu. Alors que
la volonté de Dieu, et c'était bien, c'est eux que c'est de nous voir, bien aimé, nous rapprocher, de nous attacher, bien aimé, à sa parole, de demeurer, bien aimé, dans l'amour vrai. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu souhaite pour nous en tant que chrétiens. Et je voulais juste parler à quelqu'un. Toi qui vas vite fait, toi qui veux abandonner la parole de Dieu, toi qui veux aller loin de Dieu, toi qui fait bien, tu as plus bien aimé, tu es plus à l'aise bien aimé à accomplir ce qui est mal, ce qui est mauvais, que d'accomplir ce que la parole de Dieu te demande de faire. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle et dit, mais il n'y a pas un autre message. On ne peut pas vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, l'Église a un autre message. Les chrétiens veulent entendre autre chose que ce message, bien-aimé, de la part du Seigneur. Ce message d'amour, ce message, bien-aimé, de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, on ne veut plus, bien-aimé, ces choses. Nous voulons entendre autre chose. Nous voulons que vous soyez bénis, même si vous ne marchez pas dans la volonté, dans la conformité de la parole de Dieu. Amen, amen. Vous serez la tête de la vie. Amen, amen. Même si on ne marche pas, même si on n'obéit pas à cette parole. Mais le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de nous voir, bien-aimés, obéir à sa parole. De marcher, bien-aimés, et de ne pas oublier surtout l'œuvre de la croix. La Bible dit, Christ a pris notre place à la croix. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour que nous, bien-aimés, nous ayons la vie. Voilà pourquoi je vais prier pour quelqu'un. Toi, à qui tu as tellement écouté les faux prophètes, tu as tellement écouté les autres messages, les faux messages. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais prier avec toi. Je vais prier, nous voulons prier ensemble avec toi. Et que Dieu puisse encore te sortir là où tu es parti. Là où tu veux, bien aimé, t'accrocher, bien aimé, à de mauvaises choses. Éternel, notre Dieu, c'est toi. Si tu as donné ton Fils, c'est pour, Seigneur, nous arracher du mal. C'est pour nous faire sortir, Seigneur, du péché, du mal. Mais regarde aujourd'hui, Papa de gloire, combien le monde est corrompu. Mais Seigneur, je te prie, si tu as fait cela, Seigneur, c'est pour que les derniers jours, nous puissions, Seigneur, ne pas, Seigneur, louper ce rendez-vous divin. C'est pour que nous puissions te voir, le Dieu que nous avons tant servi. Père, aide-nous à revenir encore vers le droit chemin. Aide-nous à revenir, Seigneur, dans ta parole. Aide-nous à se souvenir, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Oh, Christ, il a pris notre place. Il a porté nos fardeaux, Seigneur. Il a porté nos souffrances, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à se souvenir, nuit et jour, chaque jour, du sacrifice de la croix, de l'œuvre de la croix. Aide-nous et soutiens-nous. Soutiens-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Hélas, bien-aimés, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission, je médite. Rendez-vous sur la box Orao Telecom, la chaîne 142. Et sur YouTube, Maranatha Télévision. Soyez bénis, abondamment, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Bye bye.